Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA by Coins. En plus, avec le code Robert87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat-revente. Aujourd'hui, je voulais faire une petite série liste de joueurs. Donc, on en est déjà au 7e ou 8e épisode de liste de joueurs. Évidemment, les premières n'ont plus rien à voir avec ce qui se passe sur le marché à l'heure actuelle. Donc, j'avais envie un peu d'actualiser. Donc, sur cette première vidéo, je vais juste vous parler des joueurs qui marchent bien entre, on va dire, 0 et 2000 crédits. Et ensuite, je vais augmenter ceux entre 2000 et 5000, entre 5000 et 10 000, et ainsi de suite pour arriver au plus haut niveau. Donc les 4 joueurs que j'ai sélectionnés qui marchent très bien sont Benteke. Alors Benteke, hop, on va le trouver évidemment, c'est toujours chiant à chercher. Il est à peu près dans les 1002, 1003, 1004, ça dépend des moments. Faut toujours faites attention quand même. Ah, vous voyez, il y en a même à 850. Là, même s'il n'est pas très beau, hein, il a que 4, on peut l'acheter assez facilement et le remettre tout de suite en vente à 1200. Il va partir très rapidement et ça va nous permettre de faire très rapidement un profit, sans compter le nombre de fois où on va le trouver avec suffisamment de contrats et en plus suffisamment et avec un style. Et là, ça commence à devenir très intéressant. Donc la 1200, ça sera toujours 300 crédits bénéfices, hein, c'est plutôt simple. Ça c'est celui qu'on vient d'acheter. En plus on peut le trouver assez facilement en enchère, hein. Donc il suffit pas d'aller chercher bien loin. Les 4 minutes il a 800, avec œil de lynx c'est 9, là 600, et on peut le trouver très rapidement. Voilà, 600, vous voyez, il y en a 3 dans les 7 dernières minutes, il y en a encore 3 où on peut essayer de les attraper. Ensuite il y a Pirlo, pareil, qui est à peu près dans les mêmes gammes de prix, un tout petit peu plus cher que Benteke. Hop, Benteke là. Donc là, vous voyez, 1500, 1600, il n'y en a aucun autre au-dessus, il y a jusqu'à 2000. Voilà, et après, le vrai prix, on va dire, est à 1900. Donc on pourrait même acheter ceux qu'on a trouvé là, 1600, les deux là. On peut les acheter sans aucun problème pour pouvoir les remettre à 2000, surtout celui-là. Alors on le prend, hop, on va le mettre à 2000. On peut même le mettre à 2100 parce que quand même, il a 16 contrats et en plus derrière 99 de forme, donc vraiment un joueur plutôt intéressant. Hop, 2100, ce qui fera toujours 400 crédits de bénéfice. Voilà. Ensuite, le troisième joueur, c'est notre ami Ramsey. Là, je vais être très Arsenal. Ramsey, hop, donc 1500, 1500. Bon, là, il n'y en a pas, mais vous voyez, lui par exemple, il est architecte. Bon, il est MDC, donc Ramsey et MC normalement. Donc toujours intéressant de regarder. Bon, lui il l'a pas malheureusement, mais architecte c'est plutôt intéressant avec MDC. Bon, je vais pas l'acheter, mais on peut très facilement le trouver comme Pirlo. Là, bon, évidemment, on dit toujours. Donc là, on est à 1000, 1000 dans 5 minutes. Hop, 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 hop. Bon, 1007, c'est un peu cher. Là, il y a 1000. Il y en a pas tant que ça, mais Ramsey, l'avantage c'est qu'on peut le trouver très facilement en tech bourrin ou en tech 59. Hein, ça dépend comment on veut faire. Benteke, on le trouve assez facilement en tech 59, mais là où il est le plus intéressant, c'est de l'acheter aux enchères. Pirlo, c'est vraiment aux enchères. Ramsey, on va plutôt l'attraper en faisant de la tech bourrin ou de la tech 59. Et le dernier, c'est Wilshere. Hop, il a notre petit Wilshere. Voilà. Donc pareil, à peu près dans les mêmes prix. Vraiment très intéressant pour pouvoir faire de l'achat-revente si vous venez juste de commencer. Vous voyez, il est à 1500. Combien il est au-dessus? Est-ce qu'il en a beaucoup? Faut toujours regarder au-dessus, hein, parce que vous voyez, il n'y en a que 3 au final. Et il y en a un qui est plus intéressant que les autres. Voilà, 1009. Et celui-là est quand même bien plus intéressant que les autres. Donc il faut pas hésiter à les acheter et à le mettre à 1009, 2000. Et on le trouve assez facilement, pareil, dans les enchères. Voilà. Hop. C'est vraiment 4 joueurs si vous commencez juste pour pouvoir faire de l'achat-revente, qui sont vraiment très sympas à utiliser parce que vous allez faire maximiser vos revenus par rapport à ça. On aurait pu rajouter Bonnie aussi, qui est très très facile à trouver à 650 et qu'on revend 1000, 1100 très facilement aussi. Donc bon, voilà, je pense qu'on pourrait le rajouter, sauf qu'on fait un peu moins de bénéfices sur lui que sur les autres. Mais vous voyez, Ramsey, il est très demandé, hein, on le recherche assez à.
assez. Donc je vous conseille de faire beaucoup de tech bourrin dessus et vous allez le trouver souvent à 1300, 1400, voire même moins, et pouvoir le remettre directement quasiment à 2000 crédits et vous faire un maximum de crédits dessus, quasiment 1000, hein. Il faut pas oublier quand même que, certes, c'est des petits joueurs, mais si vous avez que 20 ou 30 000 crédits, je vous conseille de tourner avec ces joueurs-là, même jusqu'à 40 000 crédits. Parce que l'avantage, c'est que sur un joueur par exemple à 40 000, si vous investissez tout votre argent, si vous arrivez à trouver un joueur, on va dire super intéressant, vous l'achetez 40 000 et vous allez le revendre, je sais pas, 48 000, donc vous allez quand même faire déjà un beau bénéfice. Dites-vous que si vous faites avec Wilshare, etc., vous allez souvent doubler le prix par rapport auquel vous allez le choper. Vos 40 000 crédits investis vont se transformer en 80 000 crédits et non seulement en 48 000 crédits. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'investir vraiment quand vous avez que jusqu'à 40 000 crédits sur ces 4 joueurs-là. Vous pouvez même rajouter, si vous avez un peu de marge, rajouter par exemple du bonus qui marche vraiment très bien. J'espère que cette vidéo sur la liste de joueurs vous aura plu. Je vous en proposerai une autre pour les joueurs entre 2000 et 5000 crédits. Je vous dis à bientôt. C'était Robert 87000. Allez, ciao les gars.